back from the dead. Et salut les amis, c'est Rock Alpha et aujourd'hui on se retrouve pour une petite sortie détection accompagnée de mon fils et de ma femme. Donc si vous reconnaissez un peu la zone, on était venu pour visiter les bunkers, donc l'urbex spécial bunker, et là on a eu un premier son. Voilà, on a une meubelle. Donc c'est parti, je pense qu'on va trouver des trucs assez sympas. Allez, à la prochaine. Et re les amis, alors là on se retrouve, on a fait quelques petites trouvailles un peu avant, mais je sais pas trop ce que c'est, donc je les mettrai à la fin si jamais vous avez des idées. Sinon on a retrouvé une meubelle et ça. Je sais pas, c'est une genre de vis, je sais pas trop. Voilà, allez, à la prochaine. Et re les amis, voilà, alors je vous ai montré juste là derrière ce qu'on avait fait là, la douille et la genre de vis. Et puis là, ma femme, elle a trouvé ça. Donc un bon pour 1 franc. 1921 en parfaite. Juste parfait état quoi. Hop là, c'est magnifique. Donc je la nettoierai encore un peu à la maison à cause de la poussière. Je vous mettrai quelques photos à la fin de la vidéo. Voilà. Allez, peace, à toutes. Et re les amis, c'est Rock Alpha. On se retrouve. En fait, on a changé un peu de secteur parce que les bunkers, on a trouvé pas mal de douille et de balles à blanc que je vous mettrai sur la fin de la vidéo. J'ai pas jugé utile de filmer parce que c'est des trucs qu'on trouve assez couramment. Là on est passé dans un champ qui est pas très loin, on a sorti un beau petit mousquet assez sympa. Et oui, comme vous pouvez le voir, c'est la deuxième vidéo où bon, en fait je finis au téléphone parce que j'ai plus de batterie quoi. Voilà, allez, à la prochaine, ciao. Et c'est Rock Alpha de nouveau. Et voilà, dans ce trou là, ce maxi trou qui est bien galère avec toutes les pierres, et ben voilà, petite lebelle entière que j'ai abîmée à coup de pelle. Voilà. Mais c'est la première fois que je fais une balle entière dans un champ. Assez content. Pas mal. Allez, à toutes. Les amis. Donc on est toujours dans le même champ qu'avant. On a fait la balle et le mousquet. Et en fait, je viens de trouver une moitié de mousquet. Voilà. Là, c'est rond. Là, c'est plat. Donc voilà, c'est... Allez, à toutes. Top. Et heureux les amis, on se retrouve juste après le mousquet aplati. Un plan de sac. Voilà. Ah, je croyais que ça... Non, c'est bon. Non, RS. Juste le plan de sac. Allez, à toutes. Et heureux les amis. Alors, après notre mousquet aplati, hein, et notre plan de sac, et quelques trous bah, en fait qui ont donné des culs de balles et des trucs que vous verrez en fin de vidéo, et ben on a trouvé le bébé du premier mousquet qu'on a fait. Voilà, et il est tout petit, mais ça reste un mousquet, c'est essentiel. Donc voilà, vous voyez quand même la différence maintenant. On arrête un peu de déconner hein. Mais maintenant entre les forêts, du moins je parle pour l'Alsace, maintenant je sais pas les autres secteurs parce que je fais rarement dans d'autres secteurs, mais la différence entre les forêts et les champs. Donc quand vous êtes dans un champ maintenant en Alsace, vous allez vraiment trouver de tout. Ça, il m'est déjà arrivé de trouver des fibules, des bijoux, des monnaies, des mousquets, énormément de choses. Alors que dans les forêts, vous êtes vraiment plus concentré sur tout ce qui est militaire en fait. Et j'ai déjà fait de belles monnaies en forêt, mais bon, voilà, pas autant que dans les champs. Allez, à toutes les amies. Et heureux les amis, alors là on vient de faire une petite monnaie. Petite, toute fine, bien ça vaut, toute rouge. Donc déjà le rouge, ça me fait penser que beaucoup de pièces françaises, anciennes pièces françaises virent au rouge. Et là vous pouvez quand même, je sais pas si vous le voyez sur la vidéo, mais en fait vous voyez comme le bouclier, comme il y a sur les liards ou... Voilà. Donc on va essayer de voir si on peut nettoyer, récupérer un peu quelque chose, mais sinon ça va, sympa. Allez, à toutes. Un denier. Ça se voit. Les amis. Je me suis un peu fait avoir. Fail, pas grave. On vient de sortir un magnifique denier. Magnifique denier, vraiment.
Super. Vachement fin, mais il y a marqué quoi? 1700. 1708. Ah. Magnifique. On va faire un petit coup de nettoyage et vous mettre des photos à la fin de la vidéo. Allez, à toute. Ah, super. Alors, les amis, après le denier, on vient de faire. Aucune idée. En tout cas, il y a marqué 1. Je sais pas si vous allez voir. Il y a marqué 1. Et en fait, derrière, il y a un genre de lion avec des ailes. C'est vraiment. Ça a l'air. Oh non! C'est un Reich Fening avec la croix gammée. Sans déconner. Regardez en bas. C'est pas un lion, c'est un aigle avec qui tient la croix gammée. Coupe! Coupe! Et heureux, les amis! Alors après le Reich, un bébé mousquet. Voilà. Ça devait être l'allemand, il a dû se sentir menacé, là, tu vois. Ah bah non, tu n'es pas mousquet. Allez.